Les îles du Cap-Vert, de la découverte à l'indépendance nationale, 1460-1975, Elisia Silva Andrade. Classes et groupes sociaux en présence. À partir des trois formes d'attribution des terres, donataria, cesmaria et morgadio, se constituera la classe des maîtres blancs que les renderos intégreront par la suite. Ne pouvant assurer lui-même l'exploitation du commerce et des autres revenus royaux dans ses différents territoires coloniaux, le monarque louait ses possibilités de gain à un tiers, moyennant le paiement d'une certaine somme en esclaves ou en argent. Par classe sociale, nous entendons des groupes d'agents sociaux, des hommes définis principalement, mais non exclusivement, par leur place dans le process de production, c'est-à-dire dans la sphère économique. La sphère économique étant déterminée par le procès de production et la place des agents, leur distribution en classe sociale par la position qu'ils occupent par rapport aux moyens de production. Ainsi, on peut dire que les classes sociales se distinguent par leur rapport, la plupart du temps fixé et consacré par les lois, vis-à-vis des moyens de production, par leur rôle dans l'organisation du travail, donc par les modes d'obtention et l'importance de la part des richesses sociales dont ils disposent. Au début de la colonisation, nous rencontrons aux îles du Cap-Vert deux classes fondamentales, celle des maîtres blancs et celle des esclaves. Avec l'évolution de la société, d'autres modes, d'autres formes apparaîtront, mais ces deux classes resteront les classes dominantes pendant quelques siècles. Les maîtres blancs. À l'intérieur de la classe des maîtres blancs, nous rencontrons quatre groupes ou couches sociales se présentant ainsi. A. Les donataires. Au sommet de la hiérarchie économique, sociale et politique du pays, qui perdront petit à petit, au cours du temps, leur pouvoir presque absolu de départ. Effectivement, à partir de 1481, les donataires durent obéissance à l'inquiridor, officier de justice, envoyé du roi ayant pouvoir judiciaire. En 1534, furent nommés pour l'archipel les premiers corregidores, magistrats avec fonction administrative ayant comme attribution la fiscalisation de la justice. En 1587, fut nommé le premier capitaine général pour les îles du Cap-Vert et la Guinée-Bissau, et enfin, en 1600, un capitaine gouverneur. Du point de vue du pouvoir économique, les donataires pouvaient, comme nous l'avons déjà signalé, attribuer des terres en cesmaria, établir des impôts, accorder des emphytéoses, tout en se réservant le monopole de certains moyens de production. B. Les morgadoches. Apparus dès le début du XVe siècle à Santiago, deviendront les véritables seigneurs des terres. Ils accapareront les terres arables, sèches et irriguées, les montados, terres de pâture, des étables, des moulins et parfois des centaines d'esclaves. Leur splendeur marquera la deuxième moitié du XVIe siècle. Ils entreront en décadence vers la fin de ce même siècle pour disparaître enfin avec la loi de mai 1864, mettant fin au système des morgiados. C'est les colons. Partir en compagnie des donataires dès le début du peuplement des îles, recevant les terres en régime de cesmaria. Ils n'avaient effectivement pas le droit de propriété. Ces terres devaient être mises en valeur dans un délai de 5 ans, faute de quoi elles étaient reprises par les donataires. N'ayant pas le droit de propriété effective de la terre, ne connaissant pas très souvent la qualité des terres qu'ils occupaient, ils s'acquittaient difficilement de leurs obligations envers les donataires et de ce fait, ils se voyaient souvent expropriés. Ce furent ces colons ou cesmeros qui constituèrent essentiellement les moradores résidents des îles du Cap-Vert.
D. Les rendeiros, contractants ou fermiers, moyennant une certaine somme payée à la couronne, recevaient le droit d'exploiter ou de prélever des bénéfices sur le commerce entre le Cap-Vert et les régions des fleuves de la Guinée pour des périodes déterminées. N'habitant pas les îles la plupart du temps, ils nommaient en général des hommes de confiance chargés de percevoir les redevances royales. Il arrivait aussi que ces rendeiros soulouent à des tiers leur droit de recouvrer l'impôt, ce qui créait toute une chaîne d'intermédiaires donnant lieu à d'innombrables abus. Ce système de contrat durera jusqu'en 1686, date à laquelle Don Juan IV, roi du Portugal, nomma pour cela un fonctionnaire du fisc. En mettant fin au contrat de fermage, des rentes qui à première vue semblaient plus avantageux pour les finances royales, il encouragea énormément la morale de ce peuple capverdien, subjugué par les contractants qui, ayant la mainmise sur le commerce de la Guinée, l'empêchaient d'acquérir les noirs nécessaires au labour des terres. Les esclaves. À la base de toute la production, il y avait les esclaves, sans lesquels le maintien de la production du système introduit au Cap-Vert n'aurait pas été possible. Les grandes plantations de canne à sucre, la production du coton, le tissage des pagnes et l'élevage de chevaux, d'ânes, de bœufs et de chèvres. Or, ces denrées furent importantes, comme nous le verrons plus loin, dans le maintien du commerce avec la côte continentale africaine et pour le ravitaillement des navires relâchant aux îles, cela jusque vers la fin du 19e siècle. L'île de Santiago jouera également pendant toute la traite négrière le rôle d'entrepôt d'esclaves utilisé d'une part pour remplacer les marins qui arrivaient aux îles décimées par la famine et les maladies et d'autre part pour l'exportation vers d'autres marchés d'esclaves. Aux îles du Cap-Vert, comme dans tous les systèmes de production esclavagiste, sud des États-Unis, Caraïbes, des lois réglementaient la condition des esclaves furent créées. Pendant longtemps, le maître blanc eut sur eux le droit de vie et de mort. Relatant la situation sociale au Cap-Vert, vers la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, Sena Barcelos décrit des pratiques de châtiment corporel pratiquées sur les esclaves, certaines entraînant même la mort des suppliciés. Certains esclaves étaient mis au fer pour plus de 5 ans, étant de surcroît fouettés tous les jours. D'autres, attachés à un mortier, préféraient se donner la mort que de supporter pareil supplice. L'auteur se réfère particulièrement à une esclave enceinte à qui on mit les braises sur le ventre jusqu'à ce que mort s'en suive. Étant objet, mais jamais sujet d'obligations légales ou contractuelles, les esclaves n'avaient ni l'exercice ni la jouissance de droit. Tels des bêtes de somme, il ne leur était permis que de se nourrir, la plupart du temps par eux-mêmes, bien qu'ils aient constitué l'instrument de travail essentiel au fonctionnement et à la reproduction du process de production esclavagiste. Il était coutume au Cap-Vert, comme par ailleurs aux Antilles et au Brésil, de laisser les esclaves travailler les dimanches et les jours de fêtes religieuses, des parcelles de terre cédées par les maîtres pour assurer leur propre subsistance. À ce sujet, Antonio Carrera cite une lettre du prêtre Manuel de Barros écrite en 1605 lors de son séjour au Cap-Vert. Le prêtre se plaint du fait que les seigneurs du Cap-Vert n'habillent pas leurs esclaves et ne les nourrissent qu'à peine, ce qui oblige ces derniers à travailler les dimanches et les jours de fêtes religieuses pour se procurer ce dont ils ont besoin. Conformément aux données fournies par Andrade dans son rapport sur les îles du Cap-Vert, il y avait, en 1582, en tenant compte des adultes seulement, 11 700 esclaves à Santiago, 2000 à Fogo, contre 1608 habitants ou résidents blancs
et pardos métis libres, ainsi que 400 pretos foros noirs affranchis, mariés. Parmi les 13 700 esclaves, 4 500 étaient convertis et 2000 instruits à cette fin. Ils représentaient 87,3% de la population contre 12,7% de blancs et pardos, métis. Ces chiffres nous permettent de voir non seulement l'importance numérique des esclaves, 13 700, par rapport à la population libre, 1608 habitants et résidents blancs et pardos et 400 pretos foros. Mais aussi de constater qu'à l'époque, environ un siècle après le début de l'occupation des îles, il y avait déjà non seulement des métis, mais également des noirs affranchis. Quant aux esclaves destinés à l'exportation, les missionnaires essayaient autant que possible de les convertir et de procéder à leur landinação, consistant à leur apprendre des rudiments de langue portugaise. Cela pour deux raisons. D'une part, il fut reconnu très tôt la nécessité d'éléments de liaison, linguas, entre les négriers et les populations africaines. D'autre part, l'esclave landinizado était plus cher que l'esclave bossal. Les landinos comprenaient, outre les esclaves arrivés au Cap-Vert, encore adolescents, ceux qui l'habitaient depuis un certain temps et qui connaissaient donc les rudiments de la langue portugaise. Bien que les campagnes de landinização par les missionnaires se soient heurtées à la résistance des négriers et des seigneurs, un certain pourcentage d'esclaves débarqués aux îles y restait pour être landinizados. En réalité, les objectifs de ces trois catégories s'opposaient en partie. Les premiers essayaient de convertir au christianisme les peuples païens en leur donnant une idée, bien que rudimentaire et primaire, de la doctrine et de la morale chrétienne, et d'une langue par laquelle ils pouvaient communiquer. Ils n'étaient pas mus par les seuls intérêts matériels. Par contre, les négriers, bien qu'ils eussent intérêt à vendre des esclaves ladinos, parce que plus cotés, ne les faisaient que quand il était facile d'en obtenir. Sinon, ils se servaient même des bossais, leur intérêt résidant dans le gain rapide. Plus ils vendaient d'esclaves, plus grands étaient les profits qu'ils récoltaient. Nous pensons que le Cap-Vert joua non seulement le rôle de lieu de transit d'esclaves, mais également celui de lieu d'élevage d'esclaves et de leur rentabilisation par l'indinisation, par leur réexportation, pour leur réexportation ultérieure vers les marchés plus payants des Amériques. Dans un rapport écrit en 1627, le prêtre Sandoval, se référant au mode d'exportation et de baptême des esclaves destinés à Carthage, port sur la mer des Antilles et d'autres endroits de l'Amérique centrale, constate que de 1600 à 1613 sont arrivés à Carthagène des esclaves provenant du Cap-Vert, des Rios de Guinée, du fleuve São Domingos, des fleuves Cacheu, Guinée-Bissau, etc. Du Cap-Vert comme de São Tomé, écrivait-il, partaient trois sortes de Noirs. Les Bossales, qui étaient semblables à ceux qui partaient de Cacheu, les Ladinos, qui parlaient le portugais et qu'on dénommait créoles, parce qu'ils étaient arrivés Bossales en île et qu'ils y avaient grandi, et finalement les Naturales, qui étaient nés et avaient grandi au Cap-Vert. D'après le prêtre, les derniers correspondaient à ceux qui, dans les colonies espagnoles, étaient dénommés criollos, créoles, c'est-à-dire ceux qui étaient nés et avaient reçu leur baptême. Comme nous pouvons le constater, outre les ladinos, c'est-à-dire ceux qui étaient arrivés encore enfants au Cap-Vert, les naturales, ceux qui y étaient nés, étaient également exportés aux Amériques. Dans une étude concernant l'histoire et l'élaboration de l'identité culturelle aux Caraïbes, Oruno Lara, se référant à la participation de Ladinos, écrit ceci,
Le nègre ladino a séjourné en Espagne ou au Portugal, il parle un peu la langue et quelquefois il connaît des mots de latin. Il a été baptisé et possède une certaine pratique religieuse. Avec ce bagage culturel, quand il débarque aux Antilles, il est hautement reconnaissable et occupe d'ailleurs des fonctions domestiques de confiance. Plutôt que d'Espagne ou du Portugal, nous croyons que ces esclaves ladinos venaient surtout du Cap-Vert. Pour appuyer notre assertion, nous avons le témoignage du prêtre ci-dessus cité et de Sylvie Zamia, selon laquelle, au début de l'esclavage en Guadeloupe, la population totale se composait surtout d'Africains, dont la plupart venaient de l'Angola et du Cap-Vert. Par ailleurs, Antonio Carrera nous informe qu'en 1756 et 1788, la compagnie du Grao Para de Maranhão avait exporté du Cap-Vert vers le Brésil 80 esclaves latinos, ce qui permet de constater que ces exportations subsistaient. En ce qui concerne le rôle du Cap-Vert dans l'élevage d'esclaves, Antonio Carrera offre un autre indice précieux sur lequel nous n'avons malheureusement pas pu trouver d'autres sources d'informations. Dans son rapport, qu'il cite du gouvernement général du Cap-Vert daté du 8 août 1852, adressé au ministère de l'Outre-mer, de la Marine et de l'Outre-mer, est écrit ceci. Avec la libération des fils d'esclaves, cesseront les scènes scandaleuses de prostitution exécutées et encouragées par les seigneurs afin de posséder un plus grand nombre de malheureux serfs. Comme cette constatation, Antonio Carrera affirme qu'antérieurement à cette époque, ces orgies se répétaient déjà, les seigneurs les préparaient pour augmenter leur troupeau, entre guillemets, de petits esclaves. Quant au mode d'obtention des esclaves, celui-ci se faisait initialement par des razzias et des actes de piraterie contre les peuples riverains de l'Afrique continentale. Ensuite, en fomentant ou aiguisant des guerres interethniques, principalement source interne d'acquisition d'esclaves, et enfin par des échanges d'esclaves contre des marchandises d'Europe, d'Asie et des îles du Cap-Vert. Bien que l'archipel assura en partie la reproduction des esclaves à travers les rapports maîtres noirs, blancs, noirs, esclaves, et par l'élevage d'esclaves, il était constamment alimenté par des apports extérieurs, la seule reproduction interne ne suffisant pas à assurer la croissance naturelle de la population. La durée de vie moyenne des noirs dans les plantations de coton aux États-Unis est estimée à 7 ans. Comme le décrit si bien Lucio de Azevedo, en parlant de la traite des Noirs et de l'esclavage, dans les différentes îles africaines, avait jailli cette nouvelle industrie. Cap-Vert et Sao Tomé, lieux déserts à l'époque des découvertes, étaient devenus des viviers de bétail humain destinés à l'embarquement. Dépôt de ce qu'on ramenait de la côte voisine, ces îles furent également des lieux de procréation en développement. Bien que nous puissions déceler dans la formation sociale qui se constitua au Cap-Vert durant les quatre premiers siècles de colonisation d'autres formes ou modes de production transférés du Portugal, ceci ne pouvait être qu'altéré car cette formation prit naissance à l'époque même où se constituaient en Europe féodale les prémices du développement capitaliste sous sa forme primaire, celle de l'accumulation primitive du capital. Malgré l'introduction des formes d'attribution féodale, c'est un système de production esclavagiste qui se constituera et deviendra dominant au Cap-Vert jusqu'à l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage intervenu vers la fin du XIXe siècle. Constituant la force dominante du travail productif dans la formation sociale qui se constitua aux îles, l'esclave, dont le statut était celui de moyen de production, se distingue à la fois du serf et du producteur salarié. Le premier, bien qu'appartenant à la terre, est maître de ses moyens de production et ne vend qu'une partie de son travail, alors que l'esclave est lui-même une marchandise, car il est vendu une fois pour toutes et son travail est compris dans le marché. C'est une marchandise que le propriétaire peut un jour remettre dans d'autres mains. Le second est un travailleur séparé des moyens de production, mais libre de vendre sa force de travail.
Il n'appartient ni au propriétaire, ni à la glèbe, mais 8, 10, 12 ou 15 heures de sa vie quotidienne sont à qui les achète. L'esclave est toujours la marchandise d'autrui, que ce soit dans l'esclavage de la Grèce antique ou dans l'esclavage des plantations. Et cette forme d'organisation économique et sociale suppose l'existence d'un marché constamment alimenté en marchandises force de travail. C'est le cas concret de l'archipel dans la classe dominante détenait par ailleurs le monopole du commerce d'esclaves sur toute la côte allant du Sénégal au Sierra Leone et ensuite réduite aux limites actuelles Guinée-Bissau. A l'instar d'autres sociétés esclavagistes de type gréco-romain, le produit du travail des esclaves ne rentrait pas dans le circuit des transferts non marchands, comme c'est le cas pour les communautés où l'esclavage est de type patriarcal et où le travail servile ne joue qu'un rôle auxiliaire. Dans ces communautés, le but des activités productrices est surtout de subvenir aux besoins de la grande famille patriarcale. Dans les sociétés esclavagistes, comme celles qui nous occupent, les produits entrent dans les circuits marchands très réduits qui s'établissent localement et s'orientent surtout vers le commerce organisé entre ces sociétés et d'autres. Le commerce local est lointain.